mes camarades, mes amis, je suis accompagné d'un homme hors du commun. C'est le candidat du Front populaire en Tunisie, Amar Hamami. Cet homme qui a su résister à toutes les menaces, toutes les tentatives d'intimidation, qui est resté droit, tranquille, pacifique, au milieu d'un tumulte qui menaçait la paix de sa patrie et les droits de ses concitoyens. Quand tant perdaient leur sang-froid, quand tant s'affolaient, Amar Hamami, tranquille, alors que l'on assassinait Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi, nous a tracé le chemin de la paix. Je n'aurai pas la prétention d'approprier pour nous, à gauche, Amar Hamami. Amar Hamami est le candidat du Front populaire, mais il est plus grand que le Front populaire. Amar Hamami est le candidat de la Tunisie démocratique, des droits égaux des hommes et des femmes, de la République une et indivisible de Tunisie. C'est un honneur de lui donner la parole. Merci. Merci à vous de me permettre de m'adresser à vous à l'occasion de la fête de l'humanité. C'est un honneur et c'est un plaisir aussi pour moi d'être parmi vous, d'être parmi des camarades et des amis que nous aimons beaucoup, des camarades et des amis que nous avons trouvés à côté de nous dans les moments difficiles, surtout au cours de l'année 2013, lorsque le Front populaire a perdu de grands dirigeants, Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi. À deux reprises, Jean-Luc était parmi nous. Il est venu nous soutenir, nous apporter le soutien des révolutionnaires, des démocrates et des progressistes français. Chers camarades, chers amis, en Tunisie, nous menons un combat très dur. Nous avons mené un combat contre la dictature pendant plus de 40 ans. Mais depuis la révolution, depuis la chute des dictateurs, nous menons un nouveau combat. Un combat pour sauver notre révolution. Un combat pour réaliser les objectifs de notre révolution. La liberté, l'égalité, la dignité, la démocratie et la justice sociale. Nous menons un combat très dur contre des forces réactionnaires, contre des forces ultra-réactionnaires, contre des forces ténébreuses qui sont soutenues par les forces les plus réactionnaires dans le monde arabe, mais aussi qui sont soutenues par les forces impérialistes, françaises, européennes et aussi américaines. C'est dans cette lutte, c'est dans ce cadre-là que le Front populaire a vu le jour, le 7 octobre 2012. Le Front populaire est un rassemblement de partis politiques de gauche, de partis politiques progressistes, mais aussi d'organisations et de femmes et d'hommes sans parti. Depuis la fondation du Front populaire, cette gauche qui a tant lutté contre la dictature,
mais qui est restée divisée pendant des décennies. Cette gauche est actuellement devenue, avec le Front populaire, une force politique incontournable. Et c'est pour cette raison-là qu'elle est attaquée de toutes parts. Et c'est pour cette raison-là que les forces ténébreuses ont commencé même à liquider physiquement ses dirigeants. Ils sont en train de manœuvrer, ils sont en train de comploter pour diviser le Front populaire, pour liquider le Front populaire. Mais le Front populaire, il est de plus en plus fort. Le Front populaire est devenu une force politique incontournable en Tunisie qui porte l'espoir de tout un peuple, qui porte l'espoir des travailleurs, des femmes et des jeunes. Et nous considérons que cette expérience tunisienne, elle n'est pas valable seulement pour la Tunisie, mais elle est aussi valable pour la France, pour l'Europe, pour les pays arabes et pour les démocrates et les progressistes dans le monde entier. Unir les forces progressistes, unir les forces révolutionnaires est une tâche décisive à l'heure actuelle où le capital s'attaque aux libertés et aux droits économiques et sociaux des travailleurs. Il s'attaque aux droits des peuples et des nations opprimées. Le message que je veux porter à vous en France et partout dans le monde, c'est que, après des décennies de division, nous nous sommes unis et nous avons compris qu'avec l'unité, mais unité autour des principes, une unité autour des objectifs révolutionnaires, une unité autour des droits des travailleurs, des peuples et des nations opprimées, et que l'unité, elle est décisive pour apporter, pour conquérir des victoires. Jusqu'à maintenant, et après une expérience de 2 années, ce que je peux dire, c'est que tout ce que nous avons pu gagner, c'était grâce à notre unité. Tout ce que nous avons perdu, c'était à cause de notre désunion. Chers camarades, chers amis, notre lutte en Tunisie se passe dans un contexte régional et international très dangereux. La révolution tunisienne est menacée d'avortement, non seulement par les forces réactionnaires locales, mais aussi par des forces réactionnaires dans la région et chez vous aussi. Les réactionnaires du Golfe, les réactionnaires aussi, en Europe, ils sont en train de faire tout pour réduire la révolution tunisienne à un simple changement de forme de gouvernement, si ce n'est pas aussi imposer à la Tunisie de nouvelles formes de dictature à caractère théocratique, à caractère religieux. Dans ce cadre-là, nous considérons que l'unité des forces révolutionnaires, démocratiques et progressistes dans la région, mais aussi dans le monde entier, elle est nécessaire pour faire face à cette attaque des forces réactionnaires. Certainement, vous savez très bien que la situation en Libye, elle est dangereuse, pas seulement pour la Tunisie, mais pour les peuples de la région. Mais qui a causé cette situation en Libye? En premier lieu, l'impérialisme français, l'intervention française, américaine et européenne en Libye. La situation en Syrie, elle est aussi désastreuse. Le prisme français, américain, les réactions arabes ont participé directement aussi à la détérioration de la situation en Syrie. Mais aussi notre gouvernement, le gouvernement tunisien et certains autres gouvernements arabes ont une responsabilité de tout ce qui se passe en Syrie, parce qu'ils ont envoyé nos jeunes pour se transformer en terroristes sur la terre de Syrie.
La situation en Irak et partout dans le monde arabe est une situation explosive. Nous considérons que cette situation exige de nous tous des forces révolutionnaires, des forces démocratiques, des forces progressistes, exige des forces révolutionnaires françaises, des démocrates français, des progressistes français, exige une solidarité, une grande solidarité avec la lutte de nos peuples. Les réactionnaires sont en train de s'entraider, de se soutenir. Dans cette situation-là, nous avons besoin d'une unité large, une unité avec vous pour faire face à ce complot contre les peuples arabes, en l'occurrence contre le peuple tunisien à qui on veut voler sa révolution, ses libertés et ses droits. Mais vous pouvez compter sur nous. Mais vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur vos camarades tunisiens. Nous allons réussir, nous allons remporter la victoire et la Tunisie nouvelle, libre, démocratique, la Tunisie de la justice sociale, nous allons la bâtir et très prochainement. Merci à vous. Mes camarades, mes amis, eh bien, cette année, c'est sous le soleil. Ce sera moins pénible pour ceux qui sont dehors que l'an passé où c'était sous la pluie. Mais la pluie, on sait bien avec qui elle va. Et le soleil avec qui ? Garçon, donne-moi mes lunettes, s'il te plaît, parce que là... Je peux plus. S'il veut bien s'intéresser 2 minutes à moi, celui-ci. Alors, ah ben voilà. D'abord, vous voyez que je suis là. Non, mais je vous dis ça parce que ça m'a fait de la peine. Il y en a parmi vous qui m'ont envoyé des messages, ils croyaient que j'étais malade. D'autres ont cru ce qu'ils ont lu dans les journaux, que je partais à la retraite, je l'ai bien mérité, mais non, je ne pars pas encore. Et vous devez savoir qu'on a écrit sur moi des articles d'une manière incroyable, sans même avoir lu ce que j'avais dit dans mon interview. Ainsi sont ces gens qui n'ont aucune conscience professionnelle. Me voici à mon poste de combat, et je ne le déserterai jamais aussi longtemps que je pourrai le tenir. À la place que j'occuperai. Il faut savoir, dans la vie, être à un endroit et puis ensuite à un autre. Il y a des saisons. Et je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis irremplaçable. Un militant de gauche, c'est irremplaçable, mes camarades. Ça prend des années à fabriquer la conscience d'une femme ou d'un homme qui va savoir toute sa vie rester droit, y compris... dans les pires épreuves, celle de son existence personnelle et celle du peuple avec lequel il est uni de cœur et d'esprit. Les militants de gauche sont irremplaçables. Et c'est pourquoi je m'adresse à ceux qui entrent dans le combat à cet instant. Vous avez attrapé le virus et mon rôle est de vous le coller pour toute la vie. Toute la vie, quoi qu'il arrive. Alors on me dit, ah, mais vous quittez le front de gauche. Ah bon? Mais ceux qui disent ça disent des choses insensées. J'ai été le candidat commun du front de gauche. Le front de gauche, c'est moi aussi. Par conséquent, il n'y aura pas de soustraction, il n'y aura que des additions.
Et je vais vous parler aujourd'hui du mouvement 6e République. J'en demande pardon à tous ceux qui sont debout dans la chaleur. Je vous expliquerai jusqu'au bout, aussi précisément que je le peux, pour que vous puissiez repartir d'ici avec des arguments et des visions plus claires de ce qui nous attend, car c'est évidemment au combat que je vais vous appeler une fois de plus. Mes amis, à l'instant, Amma Amami vous parlait. Qui affronte-t-il, comme d'habitude, la coalition de l'extrême droite fanatisée par une religion qui se l'approprie, nonobstant les convictions du peuple tunisien tout entier? Et dans cette coalition, vous trouvez à la fois l'extrême droite et le Parti socialiste. Ah, mais moi, je veux que vous le sachiez. Vous ne le savez peut-être pas. Mais nous, qui affrontons-nous? Les mêmes. Nous aussi, nous affrontons l'extrême droite alimentée par un calcul épouvantable de quelqu'un, le président de la République, qui est à lui-même sa propre fin et met en place tous les éléments, rêvant d'un second tour où il n'aurait rien à faire. Ça tombe bien, c'est ce qu'il fait le mieux. Et où il lui suffirait de figurer en face de l'extrême droite pour que, aussitôt, comptant sur votre bonne foi, votre conscience républicaine, vous soyez obligé de le soutenir. Voici le piège abominable duquel il faut tirer la patrie républicaine, et nous tous. C'est pourquoi j'ai avancé, mais ce n'est pas nouveau pour vous, les gens du Front de Gauche, l'idée de la 6e République. Pourquoi? D'abord parce que nous devons penser sans cesse que nous sommes comptables d'une grande force, celle que nous avons rassemblée ensemble en 2012, 4 millions de nos concitoyens portant leur suffrage du côté que nous leur proposions. Et cette force, si l'on en juge par ce qui d'habitude sert de référence aux belles personnes, c'est-à-dire les sondages, cette force est toujours là, qui nous crédite de 10 à 11% dans le cas d'une élection qui viendrait maintenant. Nous sommes comptables de cette force, non pas pour nous-mêmes, pour nos partis, pour nos drapeaux, qui ont leur importance. Nous n'aurions rien fait sans nos partis et sans nos drapeaux. Mais nous en sommes responsables devant plus grand que nous, qui est l'histoire de notre pays et de la possibilité qu'il a d'occuper sur la scène du monde la place inouïe qui est attendue de lui partout dans les cœurs des femmes et des hommes qui regardent avec stupeur le soir des élections apprendre que le parti qui est en tête, c'est celui de l'extrême droite, et qui, comme nous, ne reconnaissent pas le visage de leur amour, la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mes amis, mes camarades, dans la bataille de l'élection de 2012, nous avions au cœur le mot d'ordre de la 6e République. Vous souvenez-vous que quand vous vous êtes avancés par milliers et milliers vers la place de la Bastille, le saviez-vous? Vous marchiez derrière un immense catafalque sur lequel était écrit 6e République. Lorsque vous avez marché sur la place à Toulouse, la place du Capitole, lorsque vous étiez sur la plage du Prado à Marseille, lorsque vous êtes venu le 5 mai dernier, c'était sous la bannière de la 6e République. Nous ne sommes pas des gentilles petites filles et des petits garçons qui oublient en cours de route leurs tâches, leurs objectifs politiques. Refonder la République, c'est davantage que changer le numéro d'une constitution. Écoutez-moi bien, vous autres, qui aimez la compréhension profonde des phénomènes de l'histoire auxquels je vous appelle. Le peuple se constitue lui-même en tant que peuple lorsqu'il fait une constitution, ce qui est une multitude éparpillée de cas, de situations personnelles, devient un peuple au moment où il entre dans le processus constituant, c'est-à-dire qu'il décrit les droits qu'il se reconnaît à lui-même, les règles qu'il impose à toute la société, la forme que prend la règle du jeu de la discussion. Se battre pour une assemblée constituante
C'est une stratégie révolutionnaire. C'est la stratégie révolutionnaire. C'est celle de la révolution citoyenne. Je reviendrai sur ce point pour ne pas rester perpétuellement dans des choses qui pourraient paraître abstraites à des esprits superficiels. La stratégie de la révolution citoyenne est une question sérieuse, profonde, à laquelle il faut réfléchir avec soin et travailler intellectuellement et pratiquement à bien comprendre tous ses aspects. J'entends des fois qu'on me dit « c'est trop abstrait ». Ah non ! Non, s'il vous plaît ! Pas entre nous ! Laissez ça aux bourgeois qui pensent que le peuple n'est pas capable de comprendre ! Pas entre nous ! Ne venez pas me chercher des poux dans la tête ! Vous voulez être communiste, c'est pas compliqué, le communisme a expliqué. Vous voulez la lutte contre le changement climatique et un gouvernement mondial, c'est pas compliqué d'expliquer ce qu'est le changement climatique. Vous voulez que la France occupe une autre place et construise un autre ordre du monde, c'est pas compliqué. C'est plus simple de comprendre qu'on change la règle du jeu, parce qu'aujourd'hui elle favorise le pouvoir absolu d'un homme par-dessus le marché inepte. Mais le système qui donne tous les pouvoirs à un homme finit toujours par le donner à un imbécile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celui qui arrive essaye d'être entouré d'un moins malin que lui pour ne pas se faire rattraper, lequel en prend un autre derrière encore moins malin que lui. Et quand tout ça se déplace d'un cran, vous passez de François Mitterrand et vous tombez dans François Hollande. Voilà comment ça se passe. Mes amis, il n'est pas vrai que ce soit trop compliqué. Écoutez le bruit de l'histoire profonde de la France et vous comprendrez pourquoi le moment est mûr. Et par conséquent, il viendra ce moment où le peuple explosant fera sauter tout le volcan. Et c'est à nous de l'organiser du côté positif de la sortie vers le haut, du côté de la démocratie, de la République et des grandes valeurs humanistes de la patrie, plutôt que du côté que vous connaissez tous. Et pour l'instant, c'est de ce côté-là que s'est ouvert le cratère du volcan. Mes amis, nous sommes passés de la monarchie à la Première République, et plus exactement, nous sommes passés à la Première République pour sortir de la monarchie. Nous sommes passés à la Deuxième République pour sortir de la monarchie qu'on nous avait ramenée. Nous sommes passés à la Troisième République pour sortir de l'Empire et de l'impasse dans laquelle il avait enfoncé la France. Nous sommes passés à la Quatrième République pour sortir de Pétain et des nationalistes qui avaient collaboré avec l'ennemi. Et la France a fait le choix de passer à la Ve République, que nous avons désavouée dès ses premières heures, pour sortir de la période coloniale et de l'Empire. Eh bien, aujourd'hui, il faut passer à la VIe République pour sortir du néolibéralisme, car le néolibéralisme ne peut pas fonctionner autrement qu'en expulsant la démocratie. Réfléchissez-y, réfléchissez-y profondément. Le néolibéralisme est contre toutes les régulations, c'est-à-dire tout ce qui crée des règles. Le capital financier de notre époque ne peut fonctionner et dégager toute sa dynamique, et en particulier sans cesse envahir des terrains nouveaux, transformer tout en marchandises et en objets de spéculation, qu'à la condition que les règles ne viennent pas l'en empêcher. Et la première source de toutes les règles, précisément, c'est la démocratie. C'est pourquoi, petit à petit, ce régime va vers la tyrannie. C'est pourquoi vous avez un régime austéritaire en Europe, c'est-à-dire un gouvernement qui, de vive force, contraint les peuples à appliquer des règles dont la seule signification est de garantir la rente du capital. Car si aujourd'hui l'Europe entière est entraînée et enchaînée derrière le gouvernement conservateur allemand, c'est parce que ce gouvernement fait la politique d'une minorité sociale qui a besoin, pour payer ses retraites par capitalisation,
que d'importants profits soient versés aux compagnies financières qui servent ces retraites et qui ont besoin d'un haut niveau de l'euro pour protéger le pouvoir d'achat de cette catégorie sociale. Et voici comment le grand capital a trouvé le rouage suivant qui lui permet d'embrayer sur les sociétés. Et c'est donc la veulerie, la pleutrerie du chef de l'État qui fait que le rouage qui va du grand capital, en passant par le gouvernement allemand, arrive jusqu'à la France des rébellions et des révolutions, soumise à cette loi absurde qui s'organise en dehors de lui. Il faut passer à la VIe République pour être sûr de briser les reins à la volonté acharnée du capital financier de se passer de toute démocratie. Voilà quel est le sens révolutionnaire profond de la VIe République. Camarades, je veux examiner devant vous, puisque d'aucuns me disent que c'est abstrait, le rapport qu'il y a entre cette idée et le moment que nous vivons. Regardez ce qu'il en est de l'organisation démocratique de la France. Vous savez tous le drame qu'est la concentration sur le monarque présidentiel de tous les pouvoirs. Regardez comment, abusant de la situation, il procède à ce coup d'État permanent qui est le propre des institutions de la Ve République. Comment fait-il ? Il y a dans l'Assemblée nationale une majorité de députés qui ont été élus par les électeurs de gauche, par tous les électeurs de gauche, c'est-à-dire par des socialistes, là va de soi, mais aussi par des communistes, par le Front de gauche, par des écologistes. Il n'y a pas un seul député qui siège à gauche de l'Assemblée nationale qui n'ait été élu par nous. Par conséquent, ça c'est député, je dis, vous n'êtes pas les députés de François Hollande et de Manuel Valls. Vous êtes les députés du peuple français et de ceux qui vous ont élus. Votre devoir est de rester fidèle à votre parole, au contrat qui s'est conclu avec les électeurs. Vous n'avez pas à avoir peur. Et je dis que le chef de l'État, et plus encore son Premier ministre, désigné dans la minorité d'extrême droite du mouvement socialiste, n'a aucune raison, ni aucun titre, ni aucun pouvoir qui lui donne l'autorité de menacer l'Assemblée nationale de dissolution si on ne lui obéit pas. Ça, c'est le coup de force. Ça, c'est un coup de force. L'Assemblée nationale doit être maîtresse d'elle-même. Mais dans les institutions de la Ve République, voyez comment le monarque républicain, le monarque présidentiel, ce fourbe totalement impopulaire qui se ferait jeter des pierres s'il passait dans la rue, je ne dis pas la fête de l'humanité, on est civilisé. Mais s'ils allaient, il allait n'importe où, les Français lui jetteraient ce qui leur tomberait sous la main. Eh bien, cet homme vient. Et de quoi menace-t-il les députés ? De sa propre impopularité. Il leur dit, si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, alors je dissoudrai l'Assemblée nationale et vous serez battus à cause de moi. Autrement dit, sa seule force, c'est sa turpitude, c'est sa faiblesse. Est-ce qu'un système institutionnel pareil, vous le voyez bien, n'est pas seulement une absurdité et un attentat contre l'esprit et l'intelligence des Français ? Mais une abomination pure et simple qui nous conduit dans le mur sans que nous puissions nous défendre, nous qui croyons à la démocratie, au bulletin de vote. Vous voyez que dans le cas précis, il nous faudrait une république qui garantisse le pouvoir de l'Assemblée nationale par rapport à l'exécutif. Mais je pourrais prendre des exemples encore plus simples. Vous avez un ministre qui oublie pendant 3 ans de payer, oui il était ministre, ses impôts. Alors l'homme est reçu, par l'un, par l'autre, ils discutent et à la fin, il est convenu qu'il quitte le parti, mais qu'il reste à l'Assemblée, mais que sa femme est virée. Mais c'est bien ça qui s'est passé. Elle a perdu son travail à cause de lui, et lui, il l'a gardé grâce aux autres. Imaginez-vous les électeurs de Saône-et-Loire qui ont à subir cette honte d'être représentés par un tel individu. Quel est leur moyen de protester ? Ils n'en ont pas. Quel est leur moyen d'intervenir ? Ils n'en ont pas. Et voici, il existe une réponse qui nous a été apportée par nos camarades du Venezuela,
à la suite de quelques États, des États-Unis d'Amérique. Nous autres, nous devons réfléchir à trouver le moyen de combiner la stabilité des institutions sans laquelle il n'y a pas d'organisation républicaine possible. Personne parmi vous ne peut croire qu'on fera tourner un grand pays de 65 millions d'habitants avec une assemblée générale permanente. Il faut quand même bien aller bosser et s'occuper de sa famille. Par conséquent, il faut combiner la stabilité et la capacité d'intervention populaire. Voilà ce qui est révolutionnaire. Eh bien, comment le fait-on ? Par exemple, en inventant le référendum révocatoire, c'est-à-dire lorsque 5 ou 10% des électeurs viennent mettre leur nom et le numéro de leur carte d'électeur sur un registre, le pouvoir électoral fait le constat qu'ils sont bien présents, qu'ils sont bien électeurs, et si l'on arrive au nombre voulu, alors le référendum est organisé pour savoir si le maire, le député, le conseiller général, le tout au féminin, le président de la République doivent être soumis à une vérification démocratique qui consiste pour le peuple à voter si oui ou non il reste. Eh bien, ce référendum s'est appliqué une fois à Hugo Chavez. Il y a eu le 10% des électeurs qui ont demandé l'organisation du référendum révocatoire, et tout Chavez qu'il est, il s'y est soumis, lui, que l'on traite de dictateur. Et le vote a donné qu'il devait rester. Et les gens criaient comme slogan « Uha, Chavez no se va ». C'était une campagne politique. Des milliers de gens ont été appelés à réfléchir, à se demander s'ils étaient contents ou pas, donc à assumer la splendeur, la grandeur inouïe du statut de citoyen. Le citoyen est quelqu'un, la citoyenne, qui s'arrache à ses humus, ses déterminations particulières, et prend en charge non pas son intérêt personnel, mais l'intérêt de ce qui est bon pour tous. C'est pourquoi c'est une œuvre révolutionnaire de donner la citoyenneté et de l'exercer, car c'est elle qui nous rend meilleurs, plus grands que nous-mêmes, en nous passionnant pour la communauté humaine.